Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Soyez les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, mettez les j'aime pour sécuriser cette vidéoconférence et je vous demande de la partager au maximum. Oui. Nous parlons en cette soirée du 9 août 2024, puisque je réalise la vidéoconférence le 9 août, nous parlons de cette nouvelle sortie de l'artiste reggaeman ivoirien, panafricain que nous avons connu, révolutionnaire très engagé que nous avons connu, Tiken Diafa Koli. Tiken Diafa Koli s'attaque à l'AES. Il s'attaque aux dirigeants auxquels on ne doit jamais s'attaquer. Oui. Tiken Diafa Koli vient de sortir un single. Il est en featuring avec un artiste togolais. Il faut dire que dans la chanson, il n'est pas le leader vocal. Bon, je crois que la musique ne l'appartient pas en tant que telle, puisqu'il intervient vers la fin de la musique. Au début de la musique, c'est cet artiste togolais qui chantait, qui est contre ce qu'on appelle les changements constitutionnels qui ont eu lieu récemment au Togo, etc., etc. Cet artiste, il s'appelle, je crois, c'est James, hein. Oui. Non, je ne retrouve pas son nom. Voilà, pour ceux qui connaissent son nom, mettez-le en commentaire. Oui. Et je m'en rends compte que, évidemment, la chanson appartient à Tiken Diafa Koli. Le titre de cette chanson, c'est Actualité brûlante. Dans cette musique, dans cette chanson, Tiken Diafa Koli, il parle de la Côte d'Ivoire. Il dit de ne pas brûler la Côte d'Ivoire. Ensuite, il vient sur l'AES. Mais ce qu'il a dit concernant l'AES, ça m'a découragé. Ça m'a déçu. Et c'est en train de décevoir plus d'un. Oui. Ce monsieur qu'on a connu, un révolutionnaire dont les musiques ont bercé notre esprit, ont même encouragé beaucoup à s'engager dans la révolution, ce monsieur aujourd'hui se met à critiquer des actions de révolution qui sont en train d'être posées par les dignes fils de l'Afrique, de l'AES. C'est simplement inimaginable. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, encore une fois, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence partout, puisqu'on ne s'attaque pas à l'AES. Nous savons toujours que, quelle que soit la position des présidents en Côte d'Ivoire, leur position géopolitique, Tiken Diafa Koli était toujours resté panafricain engagé, il était toujours resté droit dans ses bottes. Mais on a comme l'impression que l'argent est passé quelque part ou est en train de passer quelque part. On a comme l'impression que Ouattara est en train de lui mettre la pression. Oui, on apprend d'ailleurs, je ne vais pas aller dans ces détails, qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Vous avez l'artiste Tiken Diafa Koli qui, après avoir critiqué le régime ivoirien dans la chanson en question, Actualité brûlante, il a parlé du Tchad, ensuite il a parlé de l'AES, après il a parlé du Cameroun, le reste je n'ai plus suivi. Je n'ai pas le temps de suivre s'attaquer à l'AES. Il dit quoi concernant l'AES? Allons-y, mettez les j'aime pour sécuriser la vidéoconférence. Et partagez cette vidéoconférence dans tous les groupes WhatsApp, Telegram, Messenger, partout. Et surtout, mettez vos avis en commentaire. Si vous n'avez pas un avis spécifique, mettez « Salut le samouraï ». Il dit ceci. Il dit « Regardez ce qui se passe dans l'AES. Regardez ce qui se passe dans l'AES. La liberté d'expression mangée par la révolution. Dès que tu critiques un peu, c'est le front ou la prison. » Il a dit ça en virgule, il est passé. C'est une déception.
Bon, je crois que c'est peut-être une erreur, puisque Tiken Jafakoli, c'est un être humain, c'est une erreur de communication sûrement, puisque la musique aussi, c'est la communication, il véhicule un message. Tiken Jah n'a pas encore compris qu'en matière de révolution, il n'est pas interdit d'utiliser la liberté d'expression, mais il est interdit de faire la propagande de ceux-là qui veulent déstabiliser notre Afrique, notre pays. On a vu des journalistes payés par la France, cette même France-Afrique que Tiken Jah Fakoly a toujours critiqué. Ces journalistes se sont mis à dire du n'importe quoi sur le président Assimi Goïta, sur Ibrahim Traoré. La liberté d'expression ne signifie pas le sabotage ou le dénigrement, ou du moins adopter des attitudes apatrides. La liberté d'expression, vous êtes libre de dire ce que vous pensez. C'est ce que ça veut dire, non? Mais ce n'est pas tout ce qui vous traverse l'esprit. En termes clairs, je vous donne un exemple. Lorsqu'on parle de la liberté d'expression, tu es libre de dire ce que tu veux. Mais il y a des propos, quand ça sort de ta bouche, on te met en prison, on dit, tu as insulté. Donc, la liberté d'expression a ses limites. Lorsque l'utilisation de la liberté d'expression est de nature à porter préjudice à la sûreté de l'État, est de nature à créer des troubles, on limite cette liberté d'expression. La liberté d'expression n'est pas une liberté absolue. Oui. Première des choses. Deuxièmement, on va demander à Tiken Jah Fakoly. Quelqu'un qui se met à critiquer ce que Assimi Goïta fait, il dit que c'est mauvais. On le prend, on l'envoie au front, c'est mauvais. C'est mauvais de l'envoyer au front. Il n'a pas dit que ce qui se passe là, ça ne se passe pas bien. On l'envoie pour aller voir. Qui est ce citoyen malien ou de l'AES qui est allé au front, qu'on envoie au front, qui n'est pas militaire, et qui est allé, qui est revenu et qui n'a pas témoigné de sa naïveté de par le passé? Il n'y en a pas. Est-ce que c'est mauvais d'envoyer des citoyens aller servir leur nation au front? La nation est en guerre. Oui. Il y a une loi martiale qui est établie. On dit, bon, vous allez partir. C'est parce que vous ne connaissez pas les réalités substantielles du terrain que vous vous mettez à critiquer. Allez-y voir à votre tour. Tout ce que vous voudrez dire, vous allez dire. Mais quand ils partent là-bas, on ne les fait rien de mal. Il y a des journalistes qui ont été envoyés au front. On les a confiés simplement la tâche de distribuer les nourritures, aux militaires. Simplement ça. Mais l'environnement dans lequel ils se sont retrouvés, ils se sont sentis à 2 mètres du repos éternel. Ils ont eu peur. Quand ils sont venus, ils ont compris réellement que le Mali était dans une situation très difficile. Ils ont changé d'avis. Ils sont devenus des évangélisateurs, c'est-à-dire des témoins oculaires. Je ne veux pas dire des témoins de Jéhovah. Ils sont devenus des témoins, n'est-ce pas, du front. Ils se sont mis à prophétiser, à évangéliser. On ne les a pas fatigués, corporellement ni rien. Qu'est-ce que Tiken Jah Fakoly a eu? Pourquoi ce changement subit? C'est décevant. Nous perdons de grandes personnalités en qui nous avions confiance. Regardez comment le Sénégal nous a trahis. Diomaye Faye, notamment Ousmane Sonko, nous a trahis. Tiken Jah Fakoly veut se mettre aussi dans cette lancée. Ce même monsieur qui est venu soutenir la révolution. Lorsqu'on soutient une révolution, on s'assume. La révolution a ses règles. Pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. Il ne faut pas tout permettre. Puisque nous savons que c'est cette liberté d'expression qui est utilisée, c'est l'un des outils sine qua non, véritables des Occidentaux pour pouvoir continuer à exercer sur nous leur domination, leur colonisation.
Quand on le sait, il faut limiter cette liberté d'expression pour le bien du peuple. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Les questions de droit de l'homme, liberté, liberté, ce sont des poudres de perlimpinpin à l'intérieur des régimes démocratiques. Vous avez vu, même les plus grands penseurs de l'époque antique, quand vous prenez Platon par exemple, il s'est méfié du régime démocratique à cause de ces soi-disant libertés qui existent dans le régime démocratique. Ça, c'est depuis l'Antiquité. Et les pratiques nous ont démontré par A plus B, en Afrique, que lorsqu'on parle de la liberté d'expression, ce n'est pas une liberté que les gens exercent. C'est le dénigrement. C'est la mauvaise propagande. Et tout ce qui s'ensuit. Des citoyens qui sont payés par les ennemis de leur État pour dénigrer, pour diffamer, pour décourager les autorités, pour décourager leurs concitoyens de soutenir les actes nobles, justes et justifiés que les autorités sont en train de poser. C'est ça la liberté d'expression. Mais lorsque nous sommes dans une révolution, comme celle que le Mali connaît, comme celle que le Niger connaît, comme celle que le Burkina connaît aujourd'hui, je ne dis pas que la liberté d'expression doit être ensevelie, mais elle doit être limitée. L'AES est en période de guerre. Pourquoi? Lors des périodes électorales dans les différents États, la liberté que les citoyens ont d'aller et de revenir, on restreint ces libertés. La liberté de mouvement, on restreint. On instaure des couvre-feux. Pourquoi? C'est pour permettre à ce que l'exercice de ces libertés ne nuise pas à la sûreté de l'État. Lorsque l'exercice d'une liberté est de nature à nuire à la sûreté de l'État, on restreint cette liberté. Ce n'est pas mauvais, Tikendja Fakoli. Pour l'instant, nous ne voulons pas être déçus du doyen Tikendja Fakoli qui a tant fait pour l'Afrique, pour la jeunesse africaine. Ça serait ingrat de notre part. Nous pensons simplement que Tikendja Fakoli est en train de zailler, comme on le dirait en Côte d'Ivoire, il est en train de faire erreur. Et donc on a le devoir historique de lui rappeler et de continuer d'observer. Nous avons observé par exemple le régime sénégalais, Diomaye Faye et Ousmane Sonko pendant combien de temps? Nous avons toléré leur agissement anti-panafricain pendant combien de temps? Aujourd'hui, le temps nous a donné raison. Donc, pour tous ceux qui sont remontés contre le grand frère Tikendja Fakoli, je vous demande de baisser les cœurs. On peut vouloir faire une chose, une très bonne chose, et on l'a fait mal. Mais sinon, je pense que voilà, Tikendja Fakoli ne peut pas se laisser entraîner par les Français. Non, je ne peux pas croire, puisqu'il a consacré toute sa carrière pour ça. Même à cause de l'argent, il ne pourrait pas le faire. Non, je ne crois pas. Vous savez, dans le cadre de la musique, l'inspiration, vous pouvez dire des choses et puis par après, vous dites, bon, si je disais comme ça, mais il se trouve que c'est déjà parti. Sinon, Tiken ne peut pas s'attaquer à l'AES. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voulais aller très loin. Déjà, on a dépassé le temps réglementaire prévu. Je vais donc me limiter ici. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page Facebook, le nom de la page, c'est Le Samouraï. Allez-y vous abonner. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à notre chaîne YouTube, le nom c'est Le Samouraï Théa. Allez-y vous abonner. Lorsque vous vous abonnez, activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéoconférences. Ici, c'est la tribune d'éveil des consciences. On ne tourne pas autour du pot et on donne les informations sur l'actualité, les actualités chaudes et brûlantes. On les décortique à 360 degrés. Merci à toutes ces personnes qui sont nouvelles sur la page et la chaîne. Mon nom à l'état civil, c'est Robert Théa. Je suis enseignant-chercheur
dans la plus grande université de la République de Guinée, en faculté de droit. C'est de cela qu'il s'agit. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.